À son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Excellence, à l'occasion de la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection du président de la République, ce dimanche 31 décembre 2023, élection qui vous place en tête du vote réalisé sur l'ensemble du territoire national, je tiens à adresser à votre auguste personne, au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga, de la population haut-katangaise et au mien propre, mes chaleureuses et sincères félicitations pour votre brillante élection à la magistrature suprême. Notre satisfaction est d'autant plus grande que votre élection repose sur un vote massif exprimé par nos concitoyens des 26 provinces de la République, ainsi que par ceux de l'étranger. Ce vote populaire et patriotique est l'expression évidente de l'adhésion du peuple congolais à votre vision, particulièrement formulée comme dynamique de votre campagne électorale, à savoir unité, sécurité, prospérité. Ce vote massif témoigne certainement aussi de la volonté populaire de vous accompagner en vue de la continuation et de l'achèvement d'importants programmes de construction du pays, ainsi que de consolidation des acquis au plan de la gouvernance économique, sociale, sécuritaire et du renforcement de la démocratie. C'est ici pour moi l'opportunité de remercier le peuple congolais en général et la population haut-katangaise en particulier pour leur vote massif en votre faveur. Puisque toute autorité vient de Dieu, selon les Saintes Écritures, il s'y est de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, par qui arrive cet heureux événement, et de lui confier ce deuxième mandat, afin qu'il puisse le couvrir de son onction de sagesse, de conseil et de force en vue du meilleur accomplissement des lourdes charges vous confiées. Avec l'assurance de mes hommages les plus déférents, je vous prie, Monsieur le Président de la République, de recevoir mes vœux pour une bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie.